Chers amis, chers camarades, avant de commencer cet hommage, j'ai le devoir de vous informer qu'il est rigoureusement interdit de prendre des photos ou de filmer. Je vous demande également de bien vouloir éteindre vos portables et de respecter la solennité du moment. La sécurité veillera au respect de ces consignes. En accord avec la famille, seule TV Liberté est autorisée à filmer. Nous voilà réunis en ce lieu pour rendre hommage à un homme que nous écoutions, que nous lisions, que nous admirions ou tout simplement que nous aimions. Mais avant de commencer, je vais allumer une bougie, symbole de continuité. Cette flamme sera le témoignage de l'âme d'Emmanuel dans notre assemblée, une femme qui éclaire, qui réchauffe et qui rassemble autour d'elle. Il y a un mois tout juste, le 19 août, s'éteignait Emmanuel Ratier, entouré de sa famille. Il était un père exemplaire, un mari aimant et un ami fidèle et sincère. Mais ce ne sont pas là les qualités que nous mettrons le plus à l'honneur aujourd'hui, car ce fut fait admirablement au Père Lachaise ce 25 août. Aujourd'hui sera évoquée l'œuvre publique d'Emmanuel Ratier, celle qui nous concerne tous, celle du militant engagé corps et âme, celle du journaliste d'investigation infatigable qui n'avait pas peur de prendre des risques pour faire éclater la vérité, celle de l'archiviste méthodique qui se consacrait à un travail ingrat et immense pour le seul bien commun, celle de l'homme de culture, amoureux de littérature et d'histoire, de tradition et d'enracinement, et celle de l'homme de la transmission. Si toutes ces facettes sont publiques, elles prennent néanmoins leurs racines dans sa vie privée, sa vie intime. Il puisait en effet son énergie au cœur de sa communauté, de sa famille. Car un homme seul ne peut combattre un tel adversaire, un homme seul ne peut trouver le ressort nécessaire de continuer quand il crie sans être écouté. Car ce qu'il défendait par son travail n'est ni plus ni moins que sa civilisation. Qu'il vivait par son amour de la culture et son respect des traditions. Il la défendait par amour pour sa famille et notamment ses admirables filles, par conscience de son héritage et de son devoir de transmettre ce qu'il avait reçu du fond des âges de sa lignée. Ce qui frappe le plus quand on s'intéresse de plus près à ce qu'il faisait, entreprenait, menait, on se dit. Mais comment pouvait-il faire tout cela ? Certes, il était un homme hors du commun, d'une intelligence rare et d'une culture extrêmement riche. Mais ce qui lui permettait d'être sur tous les fronts, c'était son engagement total. Tellement total qu'il avait pris le risque d'en faire sa vie sans filer. Il ne militait pas pendant le temps libre qui lui laissait son métier, ses amis et sa famille, il militait en permanence. Son métier était militant. Ses amis étaient militants et sa famille était le pilier, le cœur chaud qui justifiait quotidiennement son action. Rude et éreintante. Et en prime, il s'offrait le luxe d'être ouvert et éclairé en évitant l'écueil de l'enfermement monomaniaque de son engagement. Enfin, une autre qualité majeure qu'il possédait était son esprit rassembleur. Il avait la capacité d'emmener dans ses projets les gens qu'il rencontrait. Il n'était pourtant pas un tribun, mais la justesse de ses analyses, la sincérité naturelle qu'il avait et l'excellence de tout ce qu'il entreprenait suffisaient largement à convaincre les hommes des horizons les plus divers. Nous allons maintenant allumer ces trois bougies. Nous allumons cette bougie en souvenir de ceux qui nous ont précédés dans le combat et l'action. Nos pensées vont à Yann Moncomble, Serge de Bekech, Henri Coston et bien sûr à ce jour particulier, Emmanuel Ratier. Nous allumons cette bougie en témoignage de ceux qui n'ont pu être présents mais qui ont une pensée pour nous en ce jour car ils continuent le combat à travers l'Europe pour la défense de notre civilisation,
les amis italiens, espagnols et allemands, d'Emmanuel en particulier. Nous allumons cette bougie dans l'espoir des actions à venir, des projets à mener, qui perpétueront la mémoire d'Emmanuel Ratier par leur réalisation. Le centre de documentation en est un bel exemple. Je cède maintenant la place à Arnaud Soyer, ami fidèle d'entre les fidèles, qui va nous parler de l'homme qu'était Emmanuel et des perspectives envisagées pour la lettre, faits et documents. Son intervention sera suivie d'un petit film hommage. Bonjour. Nous avons tous à l'esprit cette question: que vont devenir les activités, l'œuvre d'Emmanuel ? Alors, quelques petites informations pratiques. Le bail de la librairie vient d'être renouvelé, même si le propriétaire désireux de se débarrasser d'Emmanuel a multiplié le prix par 4. Quant à la lettre, voici la situation. Nous avons fait un numéro hommage de faits et documents pour plusieurs raisons. Parce qu'Emmanuel le méritait bien. Il a fait 400 numéros pour nous, vous pouvez bien lui en faire un. Parce qu'il fallait annoncer aux abonnés son décès et cette réunion. Parce que de nombreux aspects de sa vie et du tempérament généreux d'Emmanuel ne sont pas très connus, voire déformés. J'en tiens pour preuve, par exemple, sa biographie dans Wikipédia qui affirme qu'il appartenait à une loge maçonnique ésotérique. Non, Emmanuel ne faisait pas partie d'une loge. Mais plus simplement, curieux de nature, Emmanuel s'intéressait au chamanisme comme à beaucoup d'autres choses. Ce numéro a été réalisé sous ma direction par des amis d'Emmanuel qui se sont prêtés à cet exercice difficile en un temps record, moins d'une semaine. Je tiens à remercier ces 20 contributeurs. Pour poursuivre la lettre, durablement, certaines conditions doivent être remplies. Être capable de maintenir la documentation, c'est le rôle de Xavier. Il a été formé pendant 3 ans à la méthode Ratier. Le retard est à présent rattrapé. Deuxième condition, il faut que les informateurs d'Emmanuel continuent leur transmission. Sur ce point également, c'est en bonne voie. Et j'invite les informateurs qui n'ont pas repris contact à se manifester en utilisant les mêmes moyens d'information, c'est-à-dire même numéro de portable, même fax, même mail. Il faudra également, autre condition, étoffer l'équipe rédactionnelle et plusieurs personnalités sont pressenties en ce sens. Si vous êtes intéressé par une collaboration, faites-le savoir. Il y a enfin des considérations financières propres à toute succession et là encore, nous y travaillons ardemment. En attendant, le numéro 401 de la deuxième quinzaine de septembre est réalisé par une équipe restreinte. Il est calé sur la même grille, avec un portrait détaillé, et toutes les autres rubriques, c'est-à-dire politiquement correct, lobby international, etc. Enfin, dernière annonce pratique, nous avons mis sur le site de TV Liberté une revue de presse très complète, avec de nombreuses vidéos. Elle sera mise à jour et maintenue régulièrement. Elle est accessible à l'adresse suivante, tvliberté.com/Emmanuel-Ratier. Vous allez sur le site, vous tapez Emmanuel Ratier, vous trouverez. Si ceux qui apprécient le travail d'Emmanuel sont nombreux, en revanche, peu de gens connaissent l'homme réellement. La nature de son travail, son habileté à percer les réseaux obscurs du pouvoir, la fiabilité de ses informations conduisait souvent à avoir une vision faussée du personnage, le cliché des hommes du renseignement. J'en fis l'expérience, la première fois que je le rencontra, c'était assez drôle, c'était au cours d'un cocktail, j'étais assis dans un canapé à côté de mon cousin Pierre Robin, Pierre était à côté d'un inconnu, et Pierre me tendit un piège amical et me demanda « Qu'est-ce que tu penses d'Emmanuel Ratier ?» Je répondis, comme tous les imbéciles qui ne savent pas, oh, c'est un flic, un mec qui a ce niveau d'information et bosse forcément pour les RG. Pierre, mon cousin, en désignant l'inconnu qui était à ma droite, me lança avec malice « Eh bien, Arnaud, je suis content de te présenter Emmanuel Ratier. » Emmanuel Ratier, qui n'avait bien entendu tout entendu, pas perdu une goutte, me regarda avec une profonde gentillesse. Moi, profondément gêné par la situation, je le devins encore plus au cours de cette soirée en découvrant à quel point la réalité du personnage était différente de mes allégations. À compter de ce jour, et grâce à l'intelligence d'Emmanuel, nous sommes devenus de très bons amis.
Il sera mon témoin de mariage, le parrain de ma fille aînée, Astrid, et moi celui de Camille. Lorsqu'à TV Liberté, nous avons réalisé une interview d'Emmanuel à l'occasion de la sortie de son livre sur le vrai visage de Manuel Valls, nous avons dû le filmer dans le dos et dans le noir, comme des interviews de criminels repentis. Pas facile pour une télévision. J'avais oublié un petit détail, anecdotique pour moi, mais lourd de conséquences dans la vie quotidienne d'Emmanuel. Emmanuel vivait caché. Jusqu'à son décès, aucune photo de lui ne circulait sur le net. Cela veut dire aussi que sa famille acceptait de vivre ainsi. Je tiens à rendre hommage à sa femme, Véronique, et à ses trois filles, qui ont sacrifié une vie normale pour défendre notre liberté d'information. Il vivait caché, car ses révélations étaient pointues, fiables et visaient des personnalités de premier plan. Il vivait caché, parce que nous savons bien que nos ennemis n'hésitent pas à utiliser la terreur physique. Un exemple, en 1983, après une interview de Charles Pasqua, Emmanuel Ratier publie un article où il fait référence à l'implication d'une firme dans un trafic de drogue en provenance du Liban. Cette firme était dirigée par le sénateur RPR, bien sûr, directeur des exports de Ricoeur. Ce sénateur, présenté par la presse comme le dernier des grands patriotes, était en fait un barbouze, on le sait tous, fondateur du SAC et qui, comme vous le savez également, est une organisation paramilitaire qui exécutait les basses œuvres que le service secret français ne pouvait faire. Emmanuel nous racontait que la menace de lui casser les jambes avait été très sérieusement prononcée à son encontre et qu'une équipe du SAC avait été mandatée par Pasqua. Ces militants du SAC eurent un sursaut de patriotisme et rencontrèrent Emmanuel pour l'informer qu'il n'exécuterait pas leur mission. Comme le dit Jean-Yves Le Gallou dans son hommage sur TV Liberté, Emmanuel était un père la rigueur. Emmanuel était un pourvoyeur d'armes lourdes pour la dissidence. Et je voudrais citer un passage de Jean-François Gauthier dans son article de la lettre Hommage. Emmanuel Ratier fut souvent qualifié de complotiste. Accusation stupide dès lors qu'elle vise quelqu'un qui n'a cessé de rendre compte, précisément, des luttes d'influence entre réseaux et de compter les points gagnés par les uns et perdus par les autres. Si les cercles sont pluriels, c'est bien parce qu'aucun complot général piloté par une organisation centrale n'est pratiquement envisageable ni viable. Emmanuel Ratier, loin d'être un complotiste, fut précisément l'inverse. Il avait assez fait le décompte de ceux qui ont abandonné la patrie, de ceux qui ont perdu, de ceux qui ont gagné ou de ceux qui ont passé des compromis pour savoir que l'idée de centralisation d'un complot est aussi absurde que celle de la formation d'un glacier sur une plage varoise au mois d'août. C'est autre chose de constater que certains groupes avancent plus facilement que d'autres. À ce qu'Emmanuel a en réalité déchiffré, ces cercles sont liés pour l'essentiel par leur adhésion tacite aux options internationalistes contemporaines, aux organisations de droits de l'homme et aux tactiques des grands réseaux financiers, ceux des banques et des assurances. Je dirais qu'Emmanuel n'était pas un complotiste, mais le biographe des puissants et un Sherlock Holmes des lobbies. Nous lui devons des révélations majeures. Il a porté à notre connaissance les accointances douteuses de Charles Pasqua, on en a parlé, la liste des membres du dîner du CRIF, la puissance du lobby militaro-industriel américain sur Renault et PSA, la première véritable étude française sur le Bohemian Club, les noms des Français présents au forum de Davos, à l'époque où Davos était secret, l'unique étude approfondie consacrée au club Le Siècle, le premier livre indépendant au monde consacré au Brenna Hybrid, le retournement de veste de Manuel Valls, le vrai visage de Manuel Valls, la manipulation américaine dans les banlieues, la liste et les débats du Bilderberg. Il y en avait bien entendu beaucoup d'autres. Dans son œuvre irremplaçable, il a mis au grand jour les réseaux secrets du pouvoir de ces tristes pseudo-dieux de notre temps, du monde marchand. Il a volé le feu sacré de l'Olympe, le savoir divin qu'il rendit aux humains. C'était un vrai Prométhéen. Emmanuel était trop humble pour prendre conscience pleinement de l'importance de son travail. À la fin des années 80, je lui avais présenté à sa demande le propriétaire des droits d'Henri Coston afin de poursuivre le dictionnaire de la politique française que l'on avait coutume d'appeler le Coston. Le prix était très élevé, Emmanuel se retrouvait très dépité. Je lui dis, Emmanuel, tu n'as pas besoin d'acheter les droits. Écris ton encyclopédie et tu verras, on l'appellera le Ratier. Il répondit, arrête tes conneries, puis il suivit mon conseil et la prophétie se révéla exacte. C'était un moine soldat pour moi. J'avais foi en lui. Il était trop modeste. Pour moi, il est omnios, celui qui taira ses ennemis par la parole.
Vous êtes ici à la librairie Facta, la librairie la plus dissidente de Paris. Je l'ai créée en 2005 pour qu'on puisse y trouver des livres complètement alternatifs. Bonsoir chers amis, auditeurs de Radio Courtoisie. Vous êtes à l'écoute du Libre Journal de la Résistance Française. Livre absolument passionnant, excellent, et je dirais qu'il se lit comme un roman. Et il y a toutes sortes de choses extraordinaires. C'est quand même énorme. Oui. On vous écouterait pendant des heures. Et ah mais c'est un sujet fascinant. C'était au moment de la création des partis des forces nouvelles. Et il n'était même pas créé. À l'époque, c'était, il y avait seulement Faire Front, à la suite de la dissolution d'Ordre Nouveau. Et je me souviens d'une réunion haute en couleur. Mais vous deviez être tout jeune. Oui, j'étais relativement jeune. La nuit du lundi 9 au mardi 10 décembre, la librairie Facta à Paris a été le théâtre d'un acte de vandalisme. C'est la deuxième fois en un mois et demi. On vend des livres qu'il est impossible de trouver dans les FNAC. Ce sont des livres qui sont édités par des gens courageux, des petites maisons d'édition. Ils s'opposent à nous parce qu'on essaye d'apporter de la connaissance aux gens. Je travaille jour et nuit depuis 40 ans, 7 jours sur 7. Je ne prends pas de vacances car je ne peux pas me permettre d'avoir des trous dans ma documentation. Oui, c'est un travail de biographie, donc ça suppose une documentation. Oui. Vous faites un travail de moine. De bénédictin insomniaque. Moine copiste. Voilà. Mais je le fais parce que personne ne le fait. Et surtout parce que les gens ne le savent pas. Emmanuel Ratier était un homme engagé, et là où son engagement s'est le plus illustré, c'est dans le journalisme qu'Anne Brassier va évoquer pour nous. Il y a l'homme et il y a le journaliste. Emmanuel a un esprit d'une richesse étonnante. Pas un domaine ne le laisse indifférent. L'histoire, la littérature, les sciences comme les arts, tout le passionne. Il est lui-même un bel artisan qui souffle le verre et crée de bien jolis vases. La cuisine le passionne, il reçoit avec Véronique avec bonheur. Il aime la musique, la peinture, le livre ancien, bien sûr. Il recherche pour lui-même et ses amis des premières éditions et vous les offre avec des yeux brillants. Ses amis viennent de tous les horizons. Ils trouvent quelque chose à admirer en chacun d'eux. Et il les réunit et il en fait un clan, une tribu, la preuve, votre présence ici. Emmanuel m'a donné les flèches de la cathédrale de Strasbourg, le triptyque de Colmar, la vallée de Los Caídos, le bureau de José Antonio Primo de Rivera, les rues de Paris avec Céline et bien d'autres trésors encore. Le journaliste de Balder à National Hebdo, de Spectacle du Monde à Minute, de Figaro Magazine à Valeurs Actuelles, de Français d'abord à Magazine Hebdo, et bien évidemment Faits et Documents. Emmanuel est donc l'homme d'une seule mission en forme de passion, informer véritablement et réellement. Ce chemin dont les conditions essentielles sont la liberté, la transparence, le courage et l'indépendance n'est plus guère empruntée. Dans notre monde actuel, la carte de presse est donnée à des personnes qui lisent au prompteur des textes qu'ils n'ont pas rédigés
qui recopie sans vérifier des dépêches de l'AFP ou qui profite de leur statut pour se comporter en propagandiste. Emmanuel n'est pas de cette race. Il est un documentaliste scrupuleux, rigoureux et exigeant. Il est un homme de presse et d'investigation fournissant une information toujours exclusive, toujours vérifiée, toujours inattaquable. La charte du journaliste, me rappelait Martial Bild, reléguée aux oubliettes depuis belle lurette, considère que l'un des devoirs des personnes qui choisissent cette profession est de respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences. Il a fait ce choix radical de la vérité parce que celle-ci rend libre. Il a pris le parti de la vérité, acceptant tous les risques encourus et le prix à payer, celui de la solitude professionnelle. Un de ses derniers grands combats a été de démasquer, de montrer le véritable visage de Manuel Valls. Dans le plus grand secret et pour le plus grand malheur du pouvoir en place, il a publié un brûlot dont il fit la publicité grâce à tous nos médias, Radio Courtoisie, TV Liberté, Égalité et Réconciliation. Ses prestations furent regardées par près d'un million de personnes. Enfin, c'est un guerrier qui connaît l'ennemi et n'attaque que cet ennemi. Caroline Fourest et Fiametta Venner ont écrit dans un de leurs livres hargneux qu'Emmanuel est très bien renseigné sur les personnes suspectes de défendre la démocratie et la République française. C'est beau comme l'antique, mais Emmanuel ne s'y trompait pas. Il savait que derrière ces beaux défenseurs se cachaient des profiteurs, voire des tueurs, et qu'il devait leur arracher leur masque. Pour tout cela, merci Emmanuel. Il a rejoint sa garde des ombres, comme disait joliment Vladimir Volkov, Henri Coston, Serge de Bekech, Roland Gauthier, René Maliavin, Maurice Gaït, François Brignot, Jean Madiran et tant d'autres. Son œuvre reste pour nous le modèle à suivre. Adieu, Emmanuel. Merci Anne. Presse écrite, mais aussi radio, il était un contributeur important de Radio Courtoisie. Henri de Lesquin, directeur de la radio, va nous parler d'Emmanuel, féru de culture et attaché de la transmission. Emmanuel Ratier était un ami. C'était notre ami. Et je ne dis pas cela simplement pour moi, pour tous ceux qui l'ont connu, qui l'ont approché et apprécié des visus. Je dis cela pour tous ceux qui l'ont entendu à l'antenne de Radio Courtoisie et qui, après sa mort, ont été nombreux à témoigner de leur tristesse. J'ai transmis à Véronique ses écrits, ses appels téléphoniques nombreux, ses courriels, ses lettres que nous avons reçues, que nous continuons à recevoir, et qui témoignent de la tristesse que tant de gens qui ne l'avaient jamais rencontré physiquement, ont éprouvé lorsqu'ils ont su qu'il n'était plus là avec eux. Emmanuel Ratier était un journaliste, un écrivain, Anne Brassier vient de le rappeler, et donc un homme de l'écrit, du texte. Mais c'était aussi un homme de radio. Et il est devenu un homme de radio avec Radio Courtoisie pendant des années. Et la voix apporte une présence charnelle que l'écrit ne peut pas donner. Et la radio lui convenait d'autant mieux que, on le sait, il n'aimait pas qu'on le voie et qu'il fût photographié. C'était un homme discret qui ne voulait pas être photographié pour des raisons de sécurité que l'on sait. Alors,
À Radio Courtoisie, il avait donc l'endroit idéal pour exercer son talent. Et au fil des années, les auditeurs l'ont de plus en plus apprécié. Vous l'avez retrouvé la semaine dernière, si vous avez écouté mercredi soir le Libre Journal, nous avons rediffusé un Libre Journal d'Emmanuel Ratier avec Dominique Vénère, et vous avez retrouvé Emmanuel tel qu'en lui-même. Ce n'est pas par hasard que nous avons choisi de diffuser ce Libre Journal consacré à Hans Schoenger avec Dominique Vénère. Parce que Emmanuel et Dominique Vénère, l'un comme l'autre, étaient des hommes de tradition. Ils étaient attachés à une tradition immémoriale. Ils étaient attachés à ce qu'on appelle maintenant, depuis les travaux de Jean Audry, la tradition indo-européenne. C'est notre idéal commun. Et c'est cette tradition pour laquelle Dominique Vénère lui-même s'est donné la mort dans un geste sacrificiel en 2013. Pour autant, il y a beaucoup de demeures dans la maison du père. Et le paradoxe veut que j'ai rencontré pour la première fois Emmanuel Ratier en 1986, lors d'une croisière qui précédait de quelques mois la future cohabitation, et qui était intitulée « Cap sur le libéralisme ». Eh oui, ce jour-là, ces quelques jours-là, Emmanuel, avec moi, a mis le cap sur le libéralisme. Bien qu'il abhorrât, évidemment, vous le savez, ce libéralisme. Et je l'ai découvert, comme je viens de le dire, et j'ai découvert qu'il était un homme d'une curiosité insatiable, qui voulait tout savoir, qui était curieux de tout, qui voulait tout savoir sur tout. Alors, il était un homme de conviction, mais il avait cette autre qualité de ne pas être sectaire du tout. Il était donc prédestiné à trouver sa place à Radio Courtoisie, puisque Radio Courtoisie, vous le savez, est la radio de toutes les droites. Et c'est une radio où toutes les tendances de la droite cohabitent harmonieusement. Et c'est ainsi qu'il est devenu d'abord suppléant de Claude Giraud en 2006, lorsque je suis moi-même devenu le président de la radio, après avoir succédé à Jean Ferret, qui est mort en 2006. Donc pendant deux ans, un an et demi, déjà, Emmanuel a dirigé le Libre Journal de Claude Giraud, en l'absence de celle-ci, avant de devenir en 2008 patron d'émission le mercredi soir, lorsqu'il a succédé à Martin Pelletier dans le Libre Journal de la Résistance française, qui tire son nom du fait que c'était à l'origine celui de Serge de Bekech, notre cher Serge de Bekech, et qui commençait ses émissions en disant « Amis de la Résistance, bonsoir ». Et je pense que cette formule convient particulièrement bien aussi à Emmanuel Ratier, qui était un homme de la Résistance française et de la Résistance européenne. Alors, il a donc montré, pendant ces années, au cours de ses quelques 90 émissions qu'il a dirigées, toute sa curiosité intellectuelle. Et je crois que c'est ça qui est fascinant chez Emmanuel, c'est sa curiosité insatiable, qu'il a montré dans ses émissions, d'où l'attachement que les auditeurs avaient pour lui. Il faisait venir des gens très variés, il évoquait des sujets très variés, et il faisait venir des gens souvent que personne n'entendait. Il n'hésitait pas à faire venir des auteurs sulfureux. Toutes les idées et tous les faits lui étaient d'intérêt. Mais bien entendu, Emmanuel Ratier est aussi l'homme de l'écrit. Il a fait ses dizaines de numéros, ses centaines de numéros de faits et documents. Il a fait sous ouvrage, dont le vrai visage d'Emmanuel Valls et beaucoup d'autres. Et donc, il nous laisse une œuvre considérable. Il nous laisse une œuvre considérable qui témoigne
de ce travail d'investigation intellectuelle qui, pour lui, n'avait pas de limite et qu'il a poursuivi jusqu'à son dernier souffle. Voilà donc l'exemple qu'il nous laisse, l'exemple d'un combat pour la cause qui est la nôtre, la cause de la résistance française et européenne. Et c'est pourquoi je vous dis que, avec sa voix, que nous pouvons entendre à Radio Courtoisie, avec toutes les émissions qui sont déjà sur le site de Radio Courtoisie, avec sa voix dans l'oreille, nous combattrons, nous continuerons les combats de l'avenir. Merci. Emmanuel, grand amateur de littérature, chérissait tout particulièrement l'œuvre de Céline. C'est Marc Laudeloup, responsable du bulletin célinien, qui va évoquer cette facette de la personnalité de notre ami. Emmanuel était un ami que je voyais trop peu souvent. Lui à Paris, moi à Bruxelles, cela ne facilitait guère les contacts fréquents. Avant de parler de son travail, comment ne pas évoquer ses qualités humaines, sa grande gentillesse et cette ironie aimable qui enjolivait ses propos. Il faudrait surtout parler de son amour de la vie et de tout ce qu'elle comporte. Les voyages, la lecture, la gastronomie, la camaraderie et la passion de transmettre. Parler aussi de l'amour pour les siens, son épouse Véronique, bien sûr, et ses trois filles, Camille, Sophie et Marguerite, auxquelles il avait consacré sa dernière carte de vœux, qui était attendue chaque année avec curiosité par ses amis. Imprimée spécialement pour l'occasion, elle mettait à l'honneur le plus souvent un écrivain, avec l'une ou l'autre illustration ou citation décapante. Surtout, Emmanuel n'était pas un esprit sectaire. L'un de ses adversaires les plus déterminés, spécialiste de la droite radicale et qui était de la même promotion que lui à Sciences Po, a révélé que lorsqu'il rencontrait Emmanuel dans sa librairie, ils dialoguaient sereinement ensemble alors qu'ils n'étaient d'accord sur presque rien. Son travail a par ailleurs été reconnu par le clan d'en face. N'est-ce pas le journal Libération, excusez du peu, qui a évoqué, je cite, « le remarquable niveau d'information de sa lettre faits et documents qu'il rédigeait entièrement seul depuis près de 20 ans ». À sa manière, François Mitterrand a également reconnu son travail, puisque vous n'ignorez pas qu'Emmanuel faisait partie des personnes qui furent écoutées illégalement de 1983 à 1986 par la cellule de l'Élysée. Emmanuel est de ceux qui n'ont pas vécu pour rien. Il laisse derrière lui une œuvre dont cette monumentale encyclopédie politique française en deux volumes, dont il était fier à juste titre, et que tous ceux qui se targuent d'être bien informés se doivent d'avoir dans leur bibliothèque. À ce propos, c'est dans la préface du premier tome de cette encyclopédie qu'il sait le mieux expliquer sur sa démarche. Écoutez-le. Il s'agit là, faut-il le préciser, d'un travail de bonne foi, reposant sur une information aussi diverse que possible. Nous n'avons pas eu l'intention de nuire ou de nous complaire dans la délation. Vous ne trouverez pas ici de remarques sanglantes ou de jugements abrupts. La première règle inculquée à nos débuts dans le journalisme nous fut dictée par ce grand patron de presse que fut Raymond Bourgine. Je ne loue ni ne blâme, je raconte. Nous avons tenté depuis lors de nous y tenir. La méthode de travail est simple. Depuis des années, nous découpons, archivons, classons la presse, de droite comme de gauche, les livres politiques, les dictionnaires, etc.
La synthèse réunie ici a pour but de mettre à votre disposition toutes ces archives patiemment entassées. Notre souci constant aura été la précision du détail. Nous avons autant que possible recoupé les renseignements, parfois contradictoires. Emmanuel n'était pas seulement un documentaliste hors pair, c'était aussi un analyste pertinent de la société politique française, des divers groupes de pression, ainsi que des ressorts de la globalisation du capitalisme à l'échelle mondiale. C'était aussi, vous le savez bien, un bourreau de travail. Il me confia qu'il ne pouvait pas prendre de longues vacances, car lorsqu'il rentrait, il était submergé par les nombreux journaux qu'il devait dépouiller. Travail harassant, on s'en doute, tant la matière est vaste. Il m'arrivait d'être découragé par la décadence de l'enseignement à laquelle j'ai été confronté pendant plus de 30 ans. Aussi, je lui ai dit un jour que je l'enviais de pouvoir vivre de ses travaux journalistiques et surtout d'être indépendant. Il me rétorqua alors en souriant qu'il aurait préféré être souffleur de verre, ce qu'il était d'ailleurs aussi à ses rares moments perdus. Si Emmanuel était gentil, il n'était pas complaisant. Je lui avais demandé d'inviter dans son émission un journaliste de mes amis qui venait de publier un livre, à dire vrai, pas très réussi. Emmanuel déclina la proposition de manière courtoise mais ferme. Et c'est lui qui avait raison, évidemment. Le fait de lui avoir consacré la couverture du dernier bulletin célinien a suscité quelques commentaires désagréables sur les réseaux sociaux. Certains esprits sectaires ont en effet estimé que c'était lui accorder trop d'importance. Et pourtant, Emmanuel méritait bien cet hommage, ayant consacré pas moins de 3 émissions, dont 2 de 3 heures chacune, à Louis-Ferdinand Céline, soit près de 10 heures au total. France Culture n'a pas fait mieux lors du cinquantenaire de la mort de l'écrivain. C'est au cours de ces émissions que j'ai pu observer son professionnalisme et son don de la répartie. Son travail aussi, car pour préparer l'une de ses émissions, il avait tenu à lire Progrès, une pièce de théâtre peu connue de Céline, qu'il ne connaissait pas. C'est ainsi qu'il avait découvert avec amusement qu'un des personnages de la pièce est un certain docteur Ratier, détail que j'avais oublié. Autre anecdote, un jour il m'a dit « Je vais te livrer une information relative à l'actualité célinienne que tu ignores certainement. » J'étais très sceptique, le réseau célinien sur Internet étant très dynamique. C'est alors qu'il m'apprit qu'un célinien connu, auteur de 2 films documentaires sur son écrivain de prédilection, allait prononcer une conférence sur l'auteur de Voyage au bout de la nuit lors d'une tenue blanche du Grand Orient de France et que des textes de Céline y seraient lus par un autre membre de cette obédience. Le carton d'invitation fut reproduit dans le bulletin célinien. Inutile de vous dire que seul Emmanuel était capable de divulguer ce type d'information très confidentielle. Son intérêt pour l'œuvre de Céline fut constant. Il y a une dizaine d'années, il organisa une promenade littéraire à Montmartre, centrée sur l'écrivain. Sa bonne humeur et son érudition furent fort appréciées par les participants. Il avait d'ailleurs en préparation un livre historique sur Paris, qui ne verra hélas pas le jour. Il avait également le projet d'organiser un voyage au Danemark sur les traces de Céline. Je voudrais conclure par une anecdote également célinienne. Le 1er juillet 2011, il avait tenu à être présent au cimetière de Meudon pour l'hommage rendu par la Société d'études céliniennes à l'occasion du 50e anniversaire de la mort de Céline.
Après la cérémonie, il fut invité avec quelques autres amis à boire une coupe de champagne dans le jardin de Céline, route des Gardes. Ce matin-là, Emmanuel me confia son émotion et sa joie de se trouver dans ce lieu légendaire. C'est un souvenir ineffaçable que je conserve pieusement. Merci. Merci Marc. Parmi tous les engagements d'Emmanuel, un lui tenait à cœur particulièrement ces dernières années. C'était la constitution d'un fonds documentaire afin de réaliser une somme d'archives considérable permettant de préserver les trésors de notre culture et de notre histoire bafouée. C'est son œuvre inachevée. Éric Delcroix, avec qui il menait le projet, va nous en présenter plus précisément l'idée et les enjeux. Il y aura maintenant bientôt 2 ans qu'Emmanuel s'est ouvert à moi de son projet de créer un fonds d'archives, un fonds documentaire pour toutes ces archives qui risquaient de disparaître, les siennes bien sûr, mais aussi dans nos milieux, ça et là, dans des endroits que nous n'imaginons parfois nullement, des choses qui n'intéressent pas les services publics ou la Bibliothèque nationale, si ce n'est pour le mettre dans je ne sais quel enfer, et donc de créer matériellement un fonds documentaire. Matériellement pour que les choses lui survivent et que pour que le patrimoine national et européen de nos milieux puisse nous survivre. Et c'est ainsi que dans les mois qui sont suivis, disons maintenant ça fait 18 mois, avec Emmanuel, nous avons monté des structures afin de conserver physiquement les documents. Des documents qui ont vocation à être conservés matériellement, d'une part, et puis, dans la mesure du possible, mais c'est quelquefois extrêmement complexe et extrêmement long, d'être numérisés quand cela sera utile. Et c'est ainsi que nous avons créé, avec Emmanuel, un véritable fonds destiné à lui survivre et qui, bien sûr, lui survivra après son départ prématuré. Il y a, pour simplifier les choses, actuellement 2 structures. Une structure qui est propriétaire de locaux, de 2 immeubles, qui ont une contenance actuellement de l'ordre de 1000 mètres carrés. Des locaux en bon état, des locaux chauffés, des locaux sains et des locaux sécurisés. Il est inutile de savoir où ils se trouvent de façon très précise. Ils se trouveront là où les gens qui auront besoin d'y aller les verront avant d'oublier en partant les lieux précis, puisque nous avons bien sûr des impératifs de sécurité dans ce monde-ci. Alors, il existe 2 structures, je vous disais, une société qui est propriétaire d'immeubles, et puis d'autre part, une association qui a vocation à recevoir en dépôt ou en pleine propriété, donation manuelle, des archives importantes. Alors, les archives importantes, ce sont d'abord les archives que laisse Emmanuel, bien entendu, mais les autres qui pourront se manifester à travers les indications des uns et des autres pour tout document intéressant notre cause. Et ces archives seront conservées, mais pour les conserver, il faut bien sûr une logistique, il faut bien sûr quelque chose de matériel. Et ces éléments matériels, en dehors de la propriété des immeubles dont je vous ai parlé, qui correspondent à une structure créée avec Emmanuel et qui, pour partie, maintenant, est entre les mains de ses héritiers, eh bien, en dehors de cette structure matérielle immobilière, il y a une association qui reçoit les archives,
classe les archives, les mettra ensuite, bien entendu, sous forme de fichiers pour qu'elles puissent être consultées utilement. Alors, il y a d'abord les archives d'Emmanuel. La moitié ou les deux tiers de ces archives, mais on ne peut pas encore le savoir exactement, sont déjà rangées et partiellement classées par Emmanuel lui-même, qui a passé 10 jours à cette pour ce faire au mois de juillet. Il y en aura d'autres à venir, et puis des archives, encore une fois, qui viendront ici, d'ici et de là. Alors, la structure qui s'occupe du dépôt et qui s'occupe de la propriété éventuellement des archives, eh bien, c'est une association loi de 1901, c'est les archives associatives du Vexin. Alors, il faut bien que vous ayez en tête, et vous verrez en sortant sur la gauche les prospectus concernant cette association, il faut bien que vous ayez en tête son intitulé « Archives associatives du Vexin », parce que ce titre est provisoire mais nécessaire à l'heure actuelle, parce que bientôt, avec la permission acquise des héritiers et des héritières d'Emmanuel Ratier, ce fonds d'archives ne s'appellera plus Archives associatives du Vexin, que j'ai l'honneur de présider, mais s'appellera tout simplement Institut Emmanuel Ratier. Alors, pour faire vivre cette association, pour faire vivre les archives associatives du Vexin, qui seront bientôt, une fois que ce sera régularisé, mais il faut de nombreuses semaines avec la préfecture, Institut Emmanuel Ratier, eh bien, nous avons besoin, lorsqu'il y a des archives en déshérence, de le savoir. Nous avons besoin de voir ce qui est possible de prendre en charge, de conserver et de sauver. Mais nous avons également besoin du nerf de la guerre, nous avons également besoin d'argent. Et cet argent, il peut venir aux archives associatives du Vexin, futur Institut Emmanuel Ratier, sous forme de dons manuels, c'est-à-dire que vous pouvez donner de l'argent en numéraire ou en chèque à l'association, et lorsque vous donnerez 100 euros à l'association, il ne vous en coûtera que 33 euros, puisque vous recevrez un reçu de défiscalisation sur vos impôts sur le revenu à hauteur de 66%. Dans la limite, pour être précis, de 20% de vos impôts, pour être honnête, de 20% de vos impôts sur le revenu. Par conséquent, ce qui est extrêmement important aujourd'hui, c'est que la volonté d'Emmanuel de voir le fonds d'archives qu'il a créé et voulait continuer, d'être permanent, d'assurer la pérennité, eh bien, c'est acquis. Il nous a quittés trop tôt, mais lorsqu'il nous a quittés, la pérennité des structures que j'ai eu l'honneur de monter avec lui est assurée. Par conséquent, aujourd'hui, le futur Institut Emmanuel Ratier, actuellement archive associative du Vexin, fonctionne, conserve des archives, les sécurise dans des locaux secs et même pour l'hiver qui seront chauffés, avec un système de classement, bien entendu. Avec le départ prématuré d'Emmanuel, le classement sera plus lent que nous l'avions prévu, puisque Emmanuel avait dans sa tête tout ce qu'il nous manque et que nous devrons reconstituer avec ordinateur, papier et crayon. Mais cela se fera, et l'œuvre d'Emmanuel Ratier, quant aux archives, c'est quand même quelque chose d'essentiel. L'œuvre qu'il a constituée de jour en jour, et comme on le disait tout à l'heure, comme il le disait tout à l'heure dans la vidéo, sans relâche, puisqu'il ne pouvait pas se permettre d'avoir le moins de trous dans sa documentation, eh bien, cette œuvre documentaire subsiste, celle d'Emmanuel Ratier pour le présent et le passé, et celle d'Emmanuel Ratier conformément à son projet pour l'avenir. Vous pouvez par conséquent faire savoir les archives exceptionnelles dont vous aurez connaissance à l'association et faire les dons à l'association Emmanuel Ratier, comme on le disait
tout à l'heure est présent, son œuvre ne s'arrête pas avec son départ. Merci pour sa mémoire. Merci Eric. Emmanuel Ratier était un homme engagé et un militant, mais cela ne l'empêchait pas, par sa culture, son goût du beau et du vrai, de s'attacher les amitiés de personnalités qui auraient pu sembler opposées. Nous vous diffusons, avec son autorisation, un extrait d'un hommage publié par Francis Cousin, qui n'a pas pu se joindre à nous physiquement. Ça m'a profondément touché parce que c'est quelqu'un que je connaissais dans la longue durée. Je le connaissais depuis 20 ans. Je dirais que nous étions non pas des intimes, mais des proches, et des proches durables. C'est-à-dire que dans la continuité, la relation non seulement s'est maintenue, mais c'est une relation qui s'est fertilisée d'un point de vue humain, d'un point de vue intellectuel et d'un point de vue historique. C'était un homme d'intelligence et d'ouverture, certes, il était dans une mouvance droitiste, clairement affirmé, mais ce n'était pas une mouvance droitiste où il s'était intégré pour devenir fou. C'était un homme qui était de grande fraternité, de grande ouverture, et qui ignorait la haine. Quand aujourd'hui vous allez dans sa librairie, je dis toujours sa librairie, c'est un lieu de rencontre au pluriel, d'intelligence, de courtoisie, je dirais même de fraternité humaine. Le cœur, la pensée, la conscience, c'est l'ouverture infinie à l'autre. Et Emmanuel Ratier, c'était cela. Quand Emmanuel Ratier était dans sa librairie, dès que quelqu'un passait et l'accrochait pour discuter, quelles que soient les positions de celui qui le faisait, il le faisait avec accueil, bienveillance et chaleur d'humanité. Emmanuel Ratier était un homme d'ouverture qui sans arrêt se dépassait, qui sans arrêt comprenait, qui sans arrêt avançait, et qui sans arrêt allait bien au-delà de ce qu'est le journalisme. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental, et c'est quelque chose de fondamental qui tient à son humanité. C'était pas quelqu'un qui faisait de la documentation pour produire effectivement du simple contre-médiatique. C'était quelqu'un qui, par sa richesse, par son creusement, par ses investigations, posait déjà des jalons de clarification géopolitique, voire même philosophique. Et au niveau humain du quotidien, c'était quelqu'un de rigueur et de calme, c'était quelqu'un de paisible et de solide, c'était quelqu'un de fort et d'humoristique. Un repas avec Emmanuel, c'était calme, ça ne criait pas. On savourait les plats, on savourait l'atmosphère, on savourait la vie, on aimait le soleil, on aimait les êtres que l'on aime, on pensait à des tas de choses, on avançait dans une véritable joie. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est quelque chose de très dur, parce que pendant 20 ans, même si je le répète, je n'étais pas un intime, c'était quelqu'un avec qui j'avais une permanence de saveur, d'éveil et d'intelligence. Donc, de ce point de vue-là, au-delà des désaccords que nous avions et sur lesquels nous nous agrippions parfois avec une grande gentillesse, je peux dire, j'ai perdu un camarade des antipodes, mais un vrai compagnon. Emmanuel Ratier, que l'on sait être d'une culture exceptionnelle, a toujours dit qu'il s'était formé intellectuellement en lisant le magazine Élément. Patrick Péel, qu'il connaissait bien, rédacteur à Élément, va nous parler de la nécessité de la culture et de la tradition dans le combat que menait Emmanuel et qu'il vivait au quotidien. Emmanuel Ratier était un militant au sens noble, un militant qui défendait une cause, un militant qui défendait des idées, nos idées. Un véritable héritier de ces moines soldats qui ont défendu la France et l'Europe à travers le monde. Il ne défendait pas un parti, un lobby, une carrière, il défendait un héritage, une histoire, notre histoire. Dans notre société moderne, ils sont devenus rares, souvent une poignée d'hommes. Mais c'est généralement eux, ces militants de l'ombre, qui changent les choses. Emmanuel en faisait partie. Nous n'allons pas révéler un grand secret, la découverte et la lecture de la revue Éléments ont été déterminantes dans la formation intellectuelle d'Emmanuel.
Il attachait beaucoup d'importance à ce que la revue soit conforme à ses enthousiasmes de jeunesse. Depuis maintenant quelques années, sous la direction d'Alain de Benoist, nous avions décidé à quelques-uns de continuer l'aventure du journal. Et naturellement, cela nous a beaucoup rapprochés de lui. Pascal Essérix, son rédacteur en chef, et moi-même, ont été très souvent encouragés par Emmanuel. Il n'a jamais été avare de conseils et d'idées. Dans nos conversations, sa phrase favorite était « Vous devriez prendre contact avec un tel, il est en train de basculer. C'est le moment. » C'était devenu un rituel entre nous. Bon alors, qui bascule ces derniers temps? Il se révélait tel qu'en lui-même, curieux, inattendu, amateur de peinture et d'exposition. Naturellement, Emmanuel était un animal politique. Il y avait chez lui, quand il vous divulguait un scoop bien saignant, quelque chose du gamin fier de son coup. Il tenait en cela de l'enfant du comte d'Andersen, les habits neufs de l'empereur, qui s'exclame devant la cour atterrée, « Mais le roi est nu !» Oui, il était un travailleur exemplaire, un véritable journaliste, une culture exceptionnelle. Mais Emmanuel Ratier, c'était plus que ça. Il avait du respect pour chaque militant. Jamais un mot de travers ou une critique gratuite, que ce soit avec ses intimes ou des relations plus éloignées. Il s'entendait avec tout le monde, même avec ses ennemis politiques. Il avait du respect pour chacun. Du respect pour le colleur d'affiche, pour l'intellectuel, pour le politique, pour le sans grade. Emmanuel Ratier est un homme discret, ne se mettant jamais en avant. Il connaissait très bien le combat politique, ses ennemis ne lui ont jamais fait le moindre cadeau. S'il était un adversaire redoutable, c'est qu'il n'a jamais personnalisé son combat. Il ne s'attaquait jamais aux personnes, mais à leur pouvoir, à leur lobby, à leur magouille, à leur privilège. Sans jamais délirer dans une sorte de complot mondialiste, il appuyait là où ça fait mal, il tapait fort, mais visait juste. Aujourd'hui, c'est une attitude que peu de gens comprennent. Le jour de sa mort, sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur une discussion entre des journalistes d'un grand quotidien du soir et certains universitaires. Le sujet de la conversation, savoir si Emmanuel était un antisémite délirant. Au bout de quelques échanges, leur réponse est sans appel. Non, il ne l'était pas. La preuve, d'après l'un d'eux, l'antisémite haineux, un rictus, apparaît quand il s'énerve, et ce n'était pas son cas. Ouf, Emmanuel, tu l'as échappé belle. S'il n'est pas antisémite, c'est qu'il devait faire tout ça pour de l'argent. En gros, un vulgaire business. Donc, comme a conclu la journaliste du Grand Quotidien du soir, il était cynique. Belle conclusion. Vous sortez de Sciences Po et d'une des meilleures écoles de journalistes de France, et pour vous faire de l'argent, vous allez travailler dans un milieu qui ne rapporte que des ennuis, des contrôles fiscaux, des cambriolages, des violences physiques, les attaques de votre commerce, une surveillance intense de la police, de votre vie privée, de votre famille, de vos amis. Je pense qu'aujourd'hui en France, le métier de voleur est beaucoup moins dangereux et plus rentable que le travail d'un journaliste comme Emmanuel. Mais soyons indulgents, les journalistes du Grand Quotidien du soir sont incapables de comprendre. Un homme ayant une colonne vertébrale bien droite, se battant pour des idées, pour un idéal, pour une terre, pour un peuple, pour une culture, pour une civilisation. Non, ils sont incapables de comprendre le combat d'Emmanuel Ratier, comme ils n'avaient pas compris le geste de Dominique Vénère. Nous sortons d'ici moins d'un mois un nouveau numéro d'éléments dans une nouvelle formule. Et nous étions heureux à la rédaction d'avoir pour la première fois un papier d'Emmanuel. Il nous l'avait fourni juste avant les vacances. Nous savions que sa participation était un gage de qualité pour notre revue. Sa disparition nous a tous choqués, attristés. Pascal Essérix, François Bousquet, Michel Marmin, David Lépée, Olivier François, Pierre Le Vigan, Jean-François Gauthier, Michel Thibault, Olivier Molin, Xavier Aimant, Laurent Chang, Pierrick Guiteau, François-Laurent Balza, Alain de Benoist, bien sûr. Forcément, j'en oublie. Que les dieux me pardonnent. Toute l'équipe d'éléments a perdu un ami, un modèle, car Emmanuel Ratier était un exemple pour nous tous. Il avait compris l'immense chantier que nous devions mettre en place pour faire renaître notre culture et nos traditions, dans l'éducation de nos enfants, dans la formation, dans la mémoire, et chacun avait sa place, du plus jeune au plus ancien, de l'artisan au chef d'entreprise, du croyant au non-croyant, du riche au plus modeste, ensemble vers une même destinée. Avant de venir ici, ma plus jeune fille, âgée de 9 ans, m'a demandé « Mais où vas-tu, papa ?» Je lui ai répondu que j'allais prendre la parole en hommage à Emmanuel Ratier. « Waouh, tu as de la chance !»
Oui, j'ai de la chance d'être parmi vous. Oui, j'ai de la chance d'avoir connu Emmanuel. Et oui, nos enfants se connaissent. C'est aussi ça, notre communauté, notre clan, notre famille. Dans une célèbre chanson, Maurice Druon et Joseph Kessel écrivaient « Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. » Oui, Emmanuel, nous allons sortir de l'ombre pour continuer le combat, ton combat. Et que nos adversaires ne se réjouissent pas trop. Nous sommes de plus en plus nombreux et déterminés. Le combat politique et le combat des idées ne fait que commencer et nous le gagnerons. À Véronique et à tes trois filles, vous pouvez être fiers de lui comme nous sommes tous fiers de l'avoir connu. Je vous remercie. Merci Patrick. Jean-Yves Le Gallou, ami proche d'Emmanuel Ratier et acteur majeur de la réinformation, va nous parler de l'importance de cette information, justement, dans le travail d'Emmanuel. Domaine qui lui tenait à cœur en tant qu'amoureux de la vérité. À l'automne 2007, quand nous avons créé le bulletin de réinformation sur Radio Courtoisie, Emmanuel s'est immédiatement proposé pour diriger et former une équipe, une jeune équipe. Son emploi du temps était déjà très chargé. Mais l'idée de se lever à 5 heures du matin chaque vendredi lui plaisait. Il fut ainsi l'un des fondateurs du bulletin de réinformation. Il imprima sa marque à la journée du vendredi, dont l'équipe est toujours restée fidèle à l'esprit d'Emmanuel. Et comme on a le gène et la culture de la réinformation chez les Ratier, deux de ses filles ont aujourd'hui repris le flambeau. La réinformation, c'est la vérification et bien sûr la critique du flux continu d'informations des médias dominants. C'est aussi la recherche d'informations complémentaires, occultées ou plus simplement peu mises en lumière. Le dévoilement des faits était le cœur du métier d'Emmanuel, notamment avec faits et documents. Une lettre confidentielle papier qui aurait pu, j'allais dire qui aurait dû, disparaître à l'heure d'Internet. Et que pourtant, ses abonnés continuaient d'attendre avec impatience et de lire avec la plus grande attention. Pour ses biographies remarquables, pour ses mises au point, pour ses décryptages, pour ses démasquages. Ainsi, sans Emmanuel, nous resterions persuadés que le petit Manuel Valls avait souffert de la répression du méchant Caudillo, alors que son papa, à cette époque, multipliait les prestigieuses expositions de peinture sous Franco. Sans Emmanuel, nous croirions encore que notre cher Premier ministre a Israël au cœur depuis l'origine, alors que Valls, en tant que maire d'Évry, a multiplié les manifestations pro-palestiniennes. Bref, Emmanuel a déconstruit Manuel. Loin du journalisme de cour, Emmanuel illustrait au plus haut point le vrai journalisme d'investigation. Bourreau de travail, archiviste minutieux, Emmanuel était un journaliste rigoureux. Pardon pour l'oxymore. Homme indulgent et bienveillant, il ne correspondait en rien à la caricature de l'extrémiste de droite à laquelle même ses adversaires du système avaient renoncé. Et pourtant, Emmanuel était bien un extrémiste dans la recherche des faits, de leur vérification, de leurs sources. Emmanuel était un documentaliste de l'extrême, comme il y a, et c'est valorisant, des sportifs de l'extrême. Il y a quelques années, les candidats bacheliers eurent pour épreuve de philo « Le vrai est-il toujours vraisemblable ?» Le vrai est-il toujours vraisemblable ? Beau sujet qu'il est possible de décliner. Le vraisemblable est-il toujours vrai ? Ce que l'opinion commune estime établi
peut-il relever de la pure affabulation bien vendue ? Faut-il croire les narrations officielles des événements ? Mais des petits mensonges et de réelles contradictions suffisent-ils pour qu'on les rejette en bloc ? Et parmi les versions alternatives des événements, lesquelles croire, lesquelles retenir ? Pas toujours facile de le dire. Emmanuel n'apportait pas des réponses philosophiques à ces questions. Mais il portait à la connaissance de ses lecteurs des faits. Et chacune de ces informations était précise et sourcée. Le doute est inséparable de la démarche de réinformation. Il faut douter des affirmations. Et il faut aussi douter du doute. Derrière chaque information, des intérêts et des passions se cachent bien souvent. Comment éviter de tomber dans leur piège ? Emmanuel nous a donné des pistes en précisant ainsi sa position. Je ne me considère pas du tout comme complotiste. Je pense plutôt qu'il y a un système de cercles concentriques avec des satellites autour qui regroupent des gens puissants ou qui cherchent à avoir plus de pouvoir. Et bien sûr, et ça peut paraître une évidence, des groupes de pression et des lobbies. C'était la force d'Emmanuel, apporter à ses lecteurs du fait brut, déniché, vérifié, sourcé, mis en perspective, au point que la phrase « c'est dans faits et documents, donc c'est exact » était devenue proverbiale. Faits et documents, toujours pillés, jamais cités, mais formidable source d'informations pour ses lecteurs. Quand nous avons appris la mort d'Emmanuel dans la veine d'Orgnac, nous sommes nombreux à avoir jugé la perte irremplaçable. Comment remplacer le joyeux compagnon qui aimait les plaisirs de la table comme ceux du retour à la nature lors de belles randonnées ? Comment faire face à la destruction de son cerveau, ordinateur central de sa base de données ? Comment poursuivre 40 ans de travail insensé, de documentation pointilleuse, de constitution d'un réseau éclectique, le tout assorti d'une crédibilité à toute épreuve. Et pourtant, c'est en prolongeant son action que nous honorerons sa mémoire, en faisant vivre le réseau amical qu'il avait constitué, en enrichissant les archives du Vexin, en trouvant les hommes qui continueront faits et documents, en livrant chaque jour la bataille de la réinformation, avec rigueur. Il y a une bataille d'opinion formidable aujourd'hui, entre les gros porte-avions des médias de propagande et la flottille de vedettes rapides des médias dissidents. Soyons confiants, comme à la fin de l'ère secondaire, les petits mammifères de la réinfosphère viendront à bout des dinosaures de la propagandosphère. Avec les réseaux sociaux, chacun d'entre vous peut être acteur. Chacun peut relayer des informations dissidentes. Mais à une condition, c'est qu'elles soient fiables, sourcées, vérifiées. Il y a tellement de faits vrais qui vont dans notre sens qu'il faut se garder de relayer des informations foireuses qui servent ensuite à discréditer ceux qui pensent autrement. Ne relayons pas les bouteillons. Poursuivre l'œuvre d'Emmanuel, c'est rester rigoureux. La réinformation, ce n'est pas une désinformation en sens contraire, c'est le contraire de la désinformation. Sa famille, ses amis proches, tous ceux
qui vont poursuivre leur travail, le travail d'Emmanuel, auront besoin de vous, de votre présence, de vos informations, à condition qu'elles soient 5 sur 5, et de vos relais, de vos contributions financières aussi. Éric Delcroix en a parlé, et je me permettrai de le corriger sur un point. La déduction fiscale, ce n'est pas 20% de vos impôts, c'est 20% de votre revenu imposable maximum. Ça peut donc être la totalité de vos impôts sur le revenu. Ne vous en privez pas. Emmanuel a rejoint l'autre monde. Nous sommes tristes. Mais je vous invite, je me plais à l'imaginer en tout cas, je vous invite à l'imaginer aussi au-dessus de Delphes, sur les hauteurs du Parnasse, accueilli par Clio, la muse de l'histoire, et sa sœur Calliope, la muse du bien-dire. Merci Jean-Yves. Journalisme, tradition, culture, radio, archives, réseau, amitié, tous ces engagements que vivait Emmanuel Ratier doivent perdurer. Comme durant sa vie, il a su aujourd'hui nous rassembler malgré des divergences de nuances politiques ou religieuses, malgré des différences de vues, en insistant sur ce qui nous rassemble, la volonté de défendre notre civilisation, de promouvoir ce qui est beau et ce qui est vrai, et de mettre à bas le système qui veut nous détruire. Tâchons de rester unis comme il nous l'a montré. L'une de ses filles va monter en tribune, nous livrer les perspectives qui s'offrent à nous. À tout seigneur, tout honneur, cette intervention sera la dernière de cet hommage. Merci de l'applaudir. Bonjour à tous, et tout d'abord, merci d'être venus si nombreux rendre hommage à mon père. Dans un monde d'individualisme croissant, le souvenir d'un camarade reste un point de ralliement, et votre présence nous réchauffe le cœur. Mais nous ne sommes pas ici pour pleurer. Les larmes sont l'intime de chacun. Avant que je ne continue, évidemment, je vais répondre à une question. Pourquoi suis-je masquée ? Serait-ce par coquetterie, mascarade ridicule ? Serait-ce pour imiter maladroitement mon père qui, justement, démasquait les puissants tout en restant discret ? Non. Cela correspond à l'un de ses enseignements, lorsqu'il me conseillait de rester discrète. Mais pas passive, bien au contraire. Lorsqu'il me conseillait de rester discrète pour agir, et non pas en attendant d'agir. Car ceux qui ont le courage de s'exposer à la répression directe auront besoin de l'aide de ceux qui restent dans l'ombre. Les deux comportements sont complémentaires et nécessaires. Mais là n'est pas le cœur de mon propos. Je me présente à vous masquer parce que je représente la succession anonyme d'Emmanuel Ratier. Je suis chacun de vous, prêt à continuer, prêt à se lever pour défendre son œuvre. Ici, qu'importe que je sois sa fille ou non, qu'en savez-vous d'ailleurs ? Je suis sa mémoire et sa postérité, comme chacun peut l'être. Je suis sa succession et son héritage public que je partage avec chacun de vous. Je suis la tradition européenne vécue au jour, le jour. Je suis l'abnégation et l'engagement total dans le combat pour la vérité. Je suis la culture et la curiosité au service de l'indépendance intellectuelle. Je suis l'esprit rassembleur qui préfère la vérité et l'engagement pur aux querelles de clochers. Je suis chacun de vous qui peut reprendre le flambeau. C'est une simple question de volonté. Déjà, une jeune équipe s'affaire sur la lettre et aura probablement besoin de vous et de votre soutien. Déjà, un groupe reprend la tâche ambitieuse de réaliser le fonds documentaire nécessaire à la conservation de notre histoire. Oui, c'est difficile. Et déjà, de nombreuses personnes et communautés continuent chaque jour à transmettre leur identité à chaque instant de leur vie quotidienne. C'est difficile, des problèmes de bail, des problèmes juridiques, des problèmes d'argent. Mais toujours, les militants poursuivent inlassablement l'action. N'attendons pas de consignes ou de chefs surhumains. Engageons-nous maintenant dans le combat. Victoire, désespoir, peu importe. Car c'est par devoir
qu'il faut combattre. Une seule chose est sûre, nous rejoindrons Emmanuel au bout de la course. Il a combattu pour son idéal toute sa vie, alors tâchons de ne pas avoir l'air ridicule lorsqu'il nous accueillera. Voilà la digne fille de son père. Et j'espère que mes 5 filles seront du même tonneau. Elle vient de nous délivrer un message qui doit nous interpeller, un message de conclusion à cet hommage qui nous appelle à continuer sans faillir, à nous dresser, à ne jamais baisser le bras, car le chemin de la liberté s'emprunte aussi tête et buste haut. Je voulais juste dire aussi que, sachez mesdemoiselles, que nous sommes fiers d'être à vos côtés. Je me fais à mon tour le messager, cette fois de la famille d'Emmanuel, qui vous remercie infiniment de votre présence aujourd'hui. Nous avons distribué près de 850 tickets. Merci pour votre indéfectible soutien afin que l'œuvre d'Emmanuel perdure comme il aurait voulu que cela soit. Vos dons aux archives associatives du Vexin sont les bienvenus. Pour ce faire, nous ne fermons pas de suite la salle pour nous permettre encore de flâner auprès des stands, de discuter entre nous et... Nous fermons une fois que vous êtes partis. Il n'y a pas d'urgence. Dernière information, pour ceux qui le souhaitent, une messe pour Emmanuel sera célébrée à la chapelle Notre-Dame de la Consolation, 23 rue Jean Goujon à Paris 8e, vendredi 25 septembre à 18h30. Merci à vous, bon retour dans vos foyers et restez éveillés pour toujours contribuer à la diffusion de la vérité. Merci à vous.